Hello, alors on se retrouve aujourd'hui pour un assez gros unboxing. Bon, il n'y en a pas 50 en étoile, mais il y en a quand même un petit peu et je vais vous présenter tout ça. Alors la première, je l'ai commandée sur Amazon. Alors il y en a deux, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Du coup, j'ai commandé sur Amazon ça et j'ai commandé donc. C'est un coup de cœur parce que j'ai déjà été voir des Indiens en fait et tout quand j'étais petite et du coup ça m'a fait penser à ça. Et j'adore les Indiens et là voilà, on a une petite Indienne. Voilà, une petite Indienne et elle est en 30 par 40. J'ai payé une dizaine d'euros la toile et elle est en 21 couleurs. On a des bons symboles quand même. Hein. Ils sont hyper bien. Hop, je vais bouger un peu ça au niveau. Elle colle hyper bien, franchement, pour du Amazon. Donc, franchement, j'ai pas eu 50 toiles d'Amazon. J'en ai eu deux personnalisées et une Stitch. Sinon, j'ai jamais eu de toiles Amazon parce que je les trouve assez chères quand même comparé à plein d'autres sites, vraiment. Donc, du coup, voilà pourquoi j'ai. Là, c'est parce qu'en fait, c'est un peu spécial. Je vais vous expliquer ça après. Donc, du coup, elle se présente comme ceci. Donc, c'est une 30 par 40. Au niveau, je suis désolée s'il y a du bruit derrière, mais je peux pas faire autrement. Et en plus, j'ai des enfants malades. Donc, on a la barquette comme ça, juste verte, avec le stylet, la colle et quelques sachets zip. Ensuite, nous avons au niveau diamant, alors là ça m'énerve un peu, je vous avoue. On a, heureusement j'ai, voilà, bref, on a, j'ai pas de chance je pense, mais bon bref. On a carrément un sachet, hein, ouvert dans le truc. Du coup, je pense que je vais demander à Amazon. Je vais voir avec Amazon ce que je peux faire parce que clairement peut-être qu'il me manque des diamants ou autre. Donc je peux pas ouvrir parce que clairement tout va tomber et ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Je vous explique. Alors j'ai acheté la deuxième mais c'est exactement la même. Exactement la même parce qu'en fait je vais l'offrir à une personne que je suis sur YouTube. Qui est actuellement en train de faire un indien en plus, je ne dirai pas qui. De toute façon, si vous suivez un peu les chaînes de DB, vous voyez. Mais en tout cas, je ne dirai pas qui parce que sinon, ce sera plus une surprise. Je vais essayer d'aller envoyer tout ça aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre parce que la poste ferme tôt. Mais je vais essayer en tout cas de lui envoyer aujourd'hui pour qu'elle l'ait dans les jours suivants. J'ose pas regarder, je vais pas regarder, je vais lui dire, je lui enverrai un petit mail parce que je suis en contact avec elle du coup et je lui enverrai un petit mail et je lui dirai écoute, dis-moi si les diamants ils sont tous corrects parce que moi ben là les diamants ils sont un peu bref. Donc voilà, du coup voilà, c'est pour ça que la toile je vais pas l'ouvrir, c'est parce que c'est pour offrir et vous voyez là un petit bout de ce que je vais lui envoyer d'ailleurs. Je vais faire le colis juste après cette vidéo, je voulais juste vous présenter un peu tout ça. Mais voilà, en tout cas, elle va avoir des jolis cadeaux et voilà, j'espère qu'elle va être contente. Et voilà, je vais pas vous montrer ce que je vais lui offrir, ça regarde que moi. Voilà. Ça regarde que moi, c'est des petits cadeaux. Donc voilà. Ensuite, nous avons un autre colis, je vais présenter direct celui-là. Un autre colis, alors cette fois-ci, ouh, vous avez failli tomber, je vous ai rattrapé. Et bien, vous avez encore failli tomber, mais dis donc. Donc là, j'ai prévu aujourd'hui mon ciseau. Hein, vous avez capté que j'ai prévu mon ciseau. Même après une nuit blanche. Hein. Après une nuit blanche, je suis au taquet. J'ai carrément enlevé le scotch aussi parce que hein, ça m'a gêné. Donc, hop, je vous déballe vraiment tout en direct. Alors, c'est. Ça va beaucoup vous étonner. Hein. Mais c'est un bulldog. Trois bulldogs. Hein. C'est des bulldogs. Je ne vais pas m'amuser à vous enlever. Mais en gros, vous voyez là à travers. De toute façon, l'image, elle est là. C'est un 20 par 15. 15 par 20. C'est une très petite toile. Mais clairement, ce n'est pas gênant pour moi.
Je peux faire des toutes petites toiles comme des hyper grandes toiles. Donc voilà, c'est de Evershine. Alors on a bien sûr des diamants carrés, sinon ce n'est pas drôle. Mais bon, après j'ai envie de dire maintenant, voilà. Hein, je fais plus attention aux diamants carrés parce que clairement voilà. Donc voilà, elle va être rangée avec les autres. On a le petit toolkit avec la colle, la pince, etc. Bon, bah, à force, je vais virer, clairement. Au niveau des diamants, on est sur les sachets zip. Et ouais, bah écoutez, c'est du Evershine, hein, c'est pas non plus du Evermoment. Et je vais vérifier les diamants aussi. Ensuite, nous avons, je sais plus, hein, je vais les ouvrir là juste en déjeunant, mais pour voir c'était lesquels que j'avais reçus, mais voilà. Alors là, nous avons du Huacan, donc c'est pour ça que c'est la pince Huacan. Là, on a un gros truc de colle, on a une grande barquette. Huacan, ils aiment bien mettre des grandes barquettes, ça c'est trop cool. Les barquettes blanches comme ça. Et donc voilà. Donc on a cette petite pochette là. Ensuite, au niveau de la toile, chez Huacan, c'est la deuxième que je reçois du coup. Et franchement, j'adore. Alors on ne paye pas un prix. Voilà, on paye le prix. Comme un peu du Evermoment. C'est beaucoup moins cher. Mais moi j'adore. Franchement, j'adore ce vendeur du coup. C'est pas la qualité je ne sais pas, vous n'avez pas suivi, je pense pas. Je l'ai dit, je crois, dans un haul. J'ai reçu une autre tête de mort et j'ai déjà effectué tellement elle était trop bien à faire. Et donc là, en fait, j'en avais commandé une deuxième, en fait, deux similaires. Et voilà, celle-là, j'ai pas effectué. Bon, je sais pas si vous allez voir à travers celle-là, mais bon, je vais vous montrer un peu l'image. Donc toujours avec Huacan, truc un peu grimpé sur le côté, etc. Mais voilà, on est sur du 25 par 25. Donc c'est un peu plus petit que du 30 par 30 forcément. Mais ça va, on a des bandes. Ouais, on a plusieurs bandes. On est sur 30 couleurs. Des couleurs assez cool quand même. On a du 310. Ouais, on a du 310. J'aime bien leur impression aussi. On a des deux côtés l'image et le truc, ça c'est trop bien. Excusez-moi. Au niveau des diamants, nous sommes sur des diamants carrés toujours. On voit, mais franchement, je viens de voir une toile de chez Evershine et une toile de chez Huacan. Ben alors ? Ah bah, toi t'as dû embêter le chat. Madame a dû embêter le chat. Du coup, nous sommes sur des diamants carrés. Et comme je venais de vous dire, c'est pas du tout la même qualité. Franchement, on voit que les diamants, ils sont beaucoup plus brillants et tout. Et voilà, on voit vraiment la qualité du diamant. Elle est beaucoup plus qualitative que chez Evershine. Mais forcément, le prix n'est pas du tout le même non plus, j'ai envie de dire. Donc, c'est un peu logique. On est sur ça. J'ai l'impression qu'il me manque une page. On n'a pas très longtemps. Ah, ça y est, j'en ai retrouvé une. Alors, celle-ci, c'est une toile que j'attendais, que j'aime trop, franchement. Hop. Hop là. J'ai toujours mon ciseau, hein, parce que à chaque fois je galérais. Du coup, je vais prendre le ciseau. Hop, j'ai enlevé un petit bout. Alors, elle est toute petite, je sais pas du tout si elle va bien rendre.
Parce qu'en fait, je l'avais commandé pendant les promos et j'ai pas fait gaffe à la taille. Franchement, je suis... Bon, bref, c'est pas grave, mais j'ai pas fait attention à la taille. Elle est très, 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 très petite. Mais en gros, c'est ça, c'est une sirène au bord de l'eau avec deux fonds différents, en fait. Deux Evershine. J'avais même pas fait attention que c'était Evershine. Je sais plus. Clairement, voilà. Donc, c'est une 15 par 20 en 30 couleurs. 30 couleurs 15 par 20, c'est chou quand même. Hein. Franchement, c'est balèze quand même. Bon, voilà. Je pense que je vais quand même kiffer l'affaire. Après, de là à voir vraiment ce qu'elle représente, franchement, on verra. Je vous montrerai tout ça de toute façon. Mais voilà. De toute façon, voilà. C'est pas gênant. Après, c'est une 15 par 20, donc je ne m'attends pas non plus à un résultat de ouf. C'est la première truc à mettre à la poubelle après. Ensuite, nous avons toujours le même kit, j'ai envie de dire, en fait. Les diamants, voilà. On a des diamants bons. Cette fois-ci, je pouvais choisir, donc j'ai choisi des diamants bons. Donc, on est sur des jolies couleurs. Franchement, on a des bleus, etc. Donc, vous avez 30 couleurs et voilà. On n'a pas beaucoup, beaucoup de diamants, mais après, la toile, elle est toute petite, donc c'est... logique, j'ai envie de dire. Dernière toile de ce modèle là. Ensuite, alors là, c'est une Evershine encore? Je sais pas. Alors, donc là, c'est une 20 par 30 en 30 couleurs. Vous avez vu quand même que celle d'avant était en 30 couleurs alors qu'elle était toute petite. Et que celle-là, du coup, elle est un peu plus grande et qu'elle est en 30 couleurs. Hop là! Hop là! Evershine. Je l'ai reconnu direct. Je pense qu'en fait, j'ai tout commandé sur Evershine. Alors là, vous n'allez rien voir, mais je vais vous la montrer. Alors, c'est une rose comme celle-ci, violette. Et moi, j'adore les roses. Ma rose, c'est ma fleur préférée. Bon, elle est quand même assez grande. Je pense que celle-là, elle va bien donner. En 20 par 30, donc on avait dit 30 couleurs, toujours pareil. Ouais, j'ai bien aimé, pareil, 310, je pense. Ouais, 310 et 939. C'est les deux couleurs souvent qui reviennent généralement énormément dans les DP, de toute façon, où il y a du noir, du marron, etc. C'est souvent les couleurs qui reviennent. Pour les débutants aussi qui vont regarder mes vidéos. Ensuite, on est donc du coup sur tout le temps la même barquette. Hein. Au niveau des diamants, ce sont des diamants ronds. Et là, je vais m'éclater à la faire clairement. Ah, on a un petit chat. Bon, il viendra quand il viendra. Du coup, voilà, voilà, des diamants ronds. J'adore les diamants ronds. Franchement, c'est, je kiffe faire des diamants ronds. Je vais beaucoup plus vite avec les diamants que les diamants carrés. Mais voilà, voilà. Bon, hop, on va avoir un petit chat avec nous, du coup. Alors là, vous le savez, hein, mais voilà, je recherche tout le temps les toiles et des toiles et tout. Et là, clairement, je suis partie hier soir et je me suis dit, bon, allez, je vais les trouver. Il y avait une dame, elle les vendait. Je vais vous les montrer après, donc vous allez vite comprendre. Elle les vendait 20 euros les trois et après il y en avait une autre que j'aimais bien aussi. Et du coup j'ai été capable de les prendre sauf que ça me revenait à 25 euros les trois toiles. Clairement je trouve ça un peu cher clairement pour les trois toiles qui valent 4,29€ en magasin. Vous-même vous savez, vous allez vite comprendre pourquoi. Du coup je suis un peu dégoûtée clairement. Parce que, enfin, alors je suis pas dégoûtée, mais dégoûtée des gens qui font ça, parce que je trouve ça un peu dégueulasse. Bon, après, je vous avoue qu'une dame en avait pris plusieurs dans le magasin, et du coup, elle m'en a revendu une que je recherchais. Donc, du coup, j'ai payé 7 euros la toile, parce que j'ai payé les frais de port. Elle m'a fait payer que les frais, enfin, elle m'a fait payer les frais de port, mais elle m'a revendu au prix du magasin. Et là, je suis allée faire... Oui... Oui, allez là, regarde. Et donc, du coup, je suis allée faire plusieurs magasins.
Et enfin plusieurs, j'en ai fait juste deux en fait. Et là, j'ai trouvé, j'ai sauté dessus hein, clairement, les toiles que je voulais. Il y en avait, il y avait les quatre et je venais d'acheter le Tormented. J'allais pas annuler la commande à la dame alors que je l'avais embêtée avec la toile. Donc du coup, j'ai décidé de garder, pas d'annuler la commande. Et donc voilà. Et donc du coup, j'ai pris les trois que je recherchais, qui sont actuellement mais recherchées comme jamais. Clairement, voilà, je vais vous le montrer parce que sinon on va faire durer trop le suspense. Donc voilà. Donc alors il y a la première qui est une libellule et elle m'a l'air tellement jolie, franchement. Donc c'est en 30x40, là c'est avec des diamants donc métalliques. Donc diamant métallique, voilà. Alors je le redis, hein, mais clairement, je les ai vus défiler hier partout. Les gens les vendaient 15 euros et tout. Et le pire, c'est qu'il y a vraiment des gens qui les achetaient. Et moi, j'étais en mode, non, voilà, acheter 7 euros à quelqu'un, mais voire 8 ou 9 euros à quelqu'un. Alors qu'en vrai, la personne, elle va gagner le double. Et que toi, tu vas être perdant parce que tu vas l'acheter plus cher. Non, c'est pas grave. Wow. Alors celle-là, comment vous dire que j'ai trop hâte de la faire. Alors elle, waouh. Ah celle-là, elle va être canon à faire. Ah celle-là, elle va être faite, mais très très vite, je pense. Voilà. Elle va être faite très très vite avec moi parce que franchement là, j'adore. Elle est hyper jolie. Oh là là, ça me donne même une autre idée pour plus tard. Mais de où la mettre. Mais franchement, elle est hyper jolie. Franchement, j'adore. Donc, je vais vous montrer un peu. Alors, on a toujours le tout kit. Je vais même plus vous montrer parce que clairement, voilà. Alors, on est sur quand même pas mal de diamants. Enfin, pas non plus 40 000, mais voilà. Donc, je vous montre l'image comme ceci. On est sur des diamants donc métalliques comme ça. Franchement, ça va. Alors la qualité par contre des diamants là. Bon après franchement moi j'adore cette qualité. C'est des diamants ronds hein, de toute façon vous savez. Mais voilà, on est sur deux sortes de diamants métalliques là ce que je vois. Et je vais adorer l'affaire. Je remets tout de suite ça parce que chaque fois j'ai la manie de jeter les feuilles et après je me dis mon dieu comment je vais faire. Ensuite le deuxième je le cherchais par dessus tout parce que franchement j'ai craqué dessus. Et là on est sur des diamants spéciaux. Donc c'est celle-ci. Pareil je la cherchais mais de fou franchement celle-là aussi. La quatrième je ne l'ai pas du coup encore reçue parce qu'elle n'a toujours pas, en fait elle l'a pas envoyée, je l'ai commandée hier. Donc c'est pas gênant clairement, j'ai trop à faire de toute façon. Donc on est sur ça et bien évidemment moi ben, je vais dans les petites boîtes etc. Je sais qu'il y en a qui gardent les boîtes mais moi je ne garde pas. Ça prend beaucoup de place les boîtes franchement. Hop. Je vais faire. Là, franchement, on est dans le bordel, les gars. Il y en a partout. Alors, hop, franchement, pareil. Hyper joli, hyper joli, hyper joli. Franchement, même pour offrir à quelqu'un, elle est hyper jolie. Pareil, je vais la faire, mais rapidement. Avec des diamants spéciaux, elle est hyper belle. Franchement, j'adore. Franchement, j'ai adoré. Et je suis trop heureuse de l'avoir. Hier, on m'aurait dit que j'étais à Noël, clairement. Vous auriez vu ma réaction, c'était trop bien. Bah, surtout que voilà, en ce moment, bah, ça va pas quoi. Je vais pas vous mentir, hein. Ça va pas. Donc voilà. C'était Noël pour moi. Ensuite, la dernière toile, parce que ça fait 20 minutes que je vous parle en plus. Alors là, j'ai sauté dessus hein, parce que clairement, c'était une que je désirais. Alors, je suis pas très tigre lion, vous le savez. Je crois que j'en ai un à faire. C'est tout. Et j'en ai fait un, mais sinon, voilà. Mais celui-là, je sais pas, il me tentait énormément. C'est en diamant normaux. Il y a peut-être des shiny. Bah non, c'est des diamants normaux. Il n'y a pas de diamant AB. Je ne pense pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une toile que je voulais trop avoir, franchement.
Je la cherchais partout et allais rechercher partout. Voilà. Je regarde toujours parce qu'à chaque fois, on met des diamants hors sujet. Alors. Donc, voilà. Là, je trouve... Hop, voilà, elle est comme ceci et je la trouve hyper jolie, franchement. Alors celle-ci, je vais pas la faire tout de suite, mais elle est hyper belle, franchement. J'adore la tête. Elle a un truc particulier comparé à toutes les autres toiles, mais franchement, moi j'adore. Franchement, elle est hyper jolie. Hop, voilà, ça fait ça. Alors au niveau des diamants. On est, alors que je ne dis pas de bêtises, hein, on est sur des diamants vraiment basiques, de chez basiques, franchement, on est, il n'y a pas de spéciaux, il n'y a pas de AB, mais voilà. Alors je ne sais plus combien de toiles ils ont sorti, là, du coup, voilà, je vais montrer un peu les diamants. Alors je sais qu'il y a, donc il y a les 4 là, il y avait quoi d'autre? Parce que clairement, je pense qu'il y en a bien un 6 ou 7, hein. On doit être à 6, on est à 6, même pas, on est à 7. On est à 7 toiles 30 par 40 et on est à 4 ou 5 toiles en 50 par 60 ou 40 par 60, je sais plus, bref. Et franchement, c'est pas mal, je trouve. Je sais pas si c'est comme ça tout le temps, dites-moi, mais voilà. En tout cas, là, j'ai un peu craqué. Donc, c'est des toiles qui m'ont été offertes, hein, de toute façon. Mais voilà, je les ai prises. D'ailleurs, voilà, c'est trop gentil. Et voilà, donc du coup, j'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. J'arrête pas avec mes du coup dans mes vidéos quand même. Là, j'attends quelque chose. Enfin, c'est un peu une surprise. Mais j'ai trop hâte. Mais voilà, c'est un projet et, que j'ai effectué et j'ai trop hâte. C'était un peu un de mes rêves. Mais je vous montrerai ça de toute façon, je pense que ce sera lundi, je sais pas trop, j'attends. Et donc voilà, et comme je vous ai dit, je vais envoyer le colis à la personne. Et de toute façon, vous saurez tout en temps et en heure à la personne avec qui j'ai envoyé ça. Parce que je pense que je ferai une petite vidéo ou un truc du genre. On a madame qui sera patiente. Et donc voilà, donc là, je vous retrouverai sûrement pour un petit papotage sur une toile. Peut-être cet après-midi, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, j'essaierai de vous retrouver sur une petite toile à faire pour papoter. Et donc voilà, je suis trop contente. Je vais aller ranger tout ça, je vais aller mettre tout ça en place. Et puis, bah, on se retrouve... Ah, il y a le chat. Je ne vous ai pas dit, il y a le chat. On se retrouve... bah, du coup très très bientôt. Je sais pas quand, mais on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas que la vidéo juste avant, c'était la vidéo du concours et n'hésitez pas à aller participer parce que franchement, j'en dis pas plus, mais il va y avoir, je vais travailler avec 2 marques et elles sont hyper bien et n'oubliez pas que franchement, ce concours va être hyper canon. Parce qu'il y aura un seul gagnant, je pense. Mais voilà, j'en dis pas plus. Mais je pense que de toute façon, je vais faire la vidéo de quand je recevrai tous les produits sur les gagnants. Sur le gagnant, pardon. Donc voilà, je vous laisse sur ce. Bonne journée.